de nature à faire parler de votre combat, de votre lutte, et de médiatiser vos arguments, il faut prendre. Ben quand on sera tout bétonné, tout comme dans les films futuristes, là, c'est juste horrible, quoi. C'est la somme de tout hein, qui fait une réussite dans un combat. Maintenant que l'État a donné un avis, en justifiant d'ailleurs quand j'étais à la délégation, eux ils disent bah, le projet il a tellement bien évolué. Fin... Ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu Mozad, à vrai dire. Je rêve qu'il y en ait une en Ile-de-France depuis longtemps. Donc... Une vie déboulonnée et... Alors comment vous définissez une ZAD ? Et ben une ZAD, c'est une zone à défendre pour des choses qui me semblent essentielles, comme tout ce que donc j'ai fait la marche et tout ce que j'ai, ça m'a convaincu aujourd'hui, c'est-à-dire zone humide pour le climat, des terres fertiles, l'eau qui peut être polluée... Voilà. La durabilité de l'humanité, on va dire en gros. Puisqu'on montre un champ et qu'on dit, voilà demain, sur ce paysage, sur cette vue, voilà ce qui va se passer. Mais la justice, figurez-vous, on a 4 recours en cours. Il y en a eu un qui a été jugé il y a 2 ans de ça, en première instance, on a été battu. Je vous signale que je suis allé au tribunal de Versailles comme d'autres. La justice, elle n'a pas l'air tellement non plus très démocratique. La justice administrative, quand j'ai entendu le commissaire du gouvernement expliquer pourquoi le PIC c'était bien, j'ai eu un drôle de sentiment, un malaise. Hein. Donc il faut être sûr déjà que la mairie va être assez réactive lorsqu'elle va recevoir dès le premier jour la demande d'autorisation. Que la mairie fasse le nécessaire dès le premier jour pour alerter l'association. Et donc, si ça c'est ok, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut utiliser, d'après ce que j'ai entendu de différentes interventions, c'est le temps entre le moment où ils vont faire, enfin, entre aujourd'hui et le moment où ils vont demander les autorisations, utiliser ce temps-là pour mener des actions, pour mobiliser des gens. Et notamment, il faut arrêter d'avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous n'allez rien faire. On a franchi la barre de l'égalité. À Breuil, Jusier, Sailly, en empêchant l'enquête publique, c'est un acte illégal. Mais c'est terrible pour tous vos voisins du village qui restent dans la passivité, dans le consentement et prêts à assumer le prix à payer de quoi de pourrir l'air pour les générations futures et de tout bousiller. Parce que je ne vais pas louper Hanouna. Et on a récolté 2300 signatures pour obtenir un référendum local. Donc il y a une capacité quand même de la population à venir. On s'inspire des gilets jaunes, on a le droit, il n'y a pas de droit d'auteur. On trouve votre action totalement légitime et on est content d'être là avec vous, hein, complètement. Hein. C'est de gaieté de cœur, c'est pas... On est citoyen, on est gilet jaune, hein. Gilet jaune on le met, mais on est citoyen, hein. On est comme vous. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous étiez dans un engagement, vous étiez, disons, en troisième vitesse, alors que là, on est en première. Mais on en est conscient, on en est conscient, on en est conscient. Et on est peut-être aussi là pour ça. Quatrième aujourd'hui, vous passez la cinquième. Je suis plus adhérent de Greenpeace pour une raison bien simple. Greenpeace, c'est une entreprise qui font du business, voilà, du business médiatique. Et Greenpeace, ils répondent sur notre petite lutte du Vexin. Ça fait 5 ans, ça fait 3-4 fois que je les contacte. Je peux vous faire voir les lettres hein, pour attester de ce que je dis. Ils disent, nous, c'est l'international, c'est les sujets internationaux. Le ciment, si c'est pas international, je me demande ce que c'est. Ça pollue la planète. Voilà. J'ai fait le tour, c'est magnifique, donc ce serait dommage de gâcher ça. Donc battez-vous, les résidents aussi. Parce que j'ai vu, il y a une population entre Sailly et Breuil-en-Vexin et Jusier qui est énorme. De faire du porte-à-porte. Mais par exemple, dans les bois qui sont magnifiques à côté, sur le bord de la route, marqué choisissez cette vue-là ou du béton. Mais là, maintenant, vous avez plusieurs points, vous avez 2 points. Vous surveillez 2 points 24 heures sur 24. Vous tournez, vous faites un tableau, et sur ce tableau-là, je viens, je reste de telle heure à telle heure. Voilà, on l'a fait, nous. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire ? Il faut s'inspirer du terrain, de la résistance. Mais les bloquer avec du savon, ça pourrait être un bon truc. Thank you.
together. We can live just for one time. We can be heroes. Drink all the time. Cause love satisfied. Yes, we love us. Daddy and I. Nothing will drive it away. We can be there. Just for one day, we can be heroes. Just for one day. I wish I can swim. On est très sensible à ça parce que chaque année, nous sommes là. Et chaque année, nous voyons ça. Et donc, on aimerait bien. Mais c'est l'ambiance. Just one day. We can be heroes. Just one day.